Bienvenue sur Armagnac. Aujourd'hui, nous sommes au centre historique de Montpellier, à la place Saint-Roch, où nous allons partir à la rencontre de Maxime Borowski, dessinateur, qui expose actuellement à la Vintage Gallery, lieu atypique du centre-ville. Tout de suite, sa performance en images. Ce qu'il y a derrière, c'est un masque que j'ai mis au point, un masque à porter en duo. Le principe, c'est que les deux interlocuteurs, les deux participants peuvent parler entre eux sans que personne d'autre les entende. Ce qui fait que ça crée une bulle autour d'eux, que personne ne peut entrer à l'intérieur en fait. Du coup, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent se dire des secrets, regarder les œuvres et se promener. En général, ça transforme les participants en des enfants de 8 ans. Salut Maxime. Bonjour. Alors tu exposes ici à la Vintage Gallery. Oui, je profite de ce lieu donc pour montrer une douzaine de dessins, principalement l'encre de Chine. Oui. Et quels sont les thèmes que tu abordes? Le lien, la nudité est assez présente aussi, le masque beaucoup, et voilà, quelque chose d'un peu carnassier, un rapport avec la peau. Quelle est ta préférence entre la peinture et le dessin? Disons que je dessine depuis la maternelle. Donc. Je suis venu à la peinture ensuite en étant beaux-arts. Donc j'ai fait pas mal d'encre de peinture à l'huile. Et donc le dessin, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel pour moi en fait. Et de plus simple déjà par rapport au support. C'est quelque chose qui me plaît dans sa simplicité en fait. On a juste besoin d'une feuille de papier, d'un crayon. Oui, parce que c'est assez long. Et comment les autres perçoivent ton art?
Ben, c'est assez mitigé, globalement ça les choque un peu. Et bon, s'appeler à ma mère, c'est le plus important. Ouais. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils trouvent choquant là-dedans? Bah, les thèmes abordés principalement, je pense, parce que ça parle pas mal de sexualité et voilà. Mais il y a quelque chose de dérangeant dans mes dessins, enfin, gentiment dérangeant, c'est pas... Je cherche un côté plutôt sombre, morbide, avec... Il y a sûrement ça, mais je cherche pas forcément la provoque ou le morbide, c'est juste... Je cherche à aller à l'essentiel en fait, principalement. Je suis surtout autodidacte au niveau de la technique du dessin. J'ai fait les beaux-arts à Nîmes, je suis diplômé, j'ai un master de Nîmes du coup, en beaux-arts. Et voilà, là-bas j'ai surtout pu expérimenter plusieurs médiums différents, mais le dessin c'est quelque chose que j'ai cultivé tout seul en fait. Donc, ouais. Et c'est ta première exposition? Ma première exposition tout seul, oui. J'en ai fait quelques-unes à Nîmes, parmi des collectifs ou avec d'autres amis sur Montpellier, mais tout seul, oui. J'ai comme intention de fabriquer des masques, de créer des choses plus interactives avec le public, quelque chose de plus ludique. Et oui, je compte bien faire d'autres expositions avec des formats sûrement plus grands. J'ai eu la chance de rencontrer Karl et Ginny qui m'ont proposé le lieu et j'ai tout de suite accepté. D'ailleurs Ginny que nous allons tout de suite retrouver. Salut Ginny. On va lui faire un peu de place. Salut. Salut. Alors explique-nous ce lieu atypique au cœur de Montpellier. Alors il s'agit d'un jardin, une sorte de cour intérieure qui est reliée à un magasin vintage, une boutique vintage où nous vendons des vêtements et des accessoires. Ce jardin est près de l'église Saint-Roch, il y a pas mal de passages et il est vrai que quand les gens passent devant cette porte du 1 rue du Four des Flammes, ils se demandent qu'est-ce qu'il y a derrière. Oui, par curiosité, du coup, ils ont cette envie d'y rentrer, en fait. Voilà. Et le fait de demander à des artistes talentueux d'exposer leurs œuvres ramène le grand public dans le jardin et ça crée une ambiance d'échange. Et de partage. Et de partage. L'artiste peut faire découvrir ses œuvres au grand public et le grand public découvre un artiste dont il avait peut-être jamais entendu parler. Les expositions font partie de la Vintage Gallery. Les expositions et la boutique sont dans le même lieu, mais les expositions sont gérées par une association que nous avons créée, Karl et moi, que nous avons appelée la Vintage Art Family Event, la VAF. D'accord. Et c'est la VAF qui gère les expositions d'art, les événements culturels variés que nous allons organiser. Très bien, mais en tout cas merci beaucoup Ginny de nous avoir accueillis ici, dans ce magnifique cadre. Et quant à toi, Maxime, merci aussi d'avoir été là. Et quant à nous, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Armaniacs, l'art dans tous ses états.